j'ai la caba. Le 18. Maman, oh, je suis mordue. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autopsie. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Maman, maman, oh, mon bonheur est dans ses bras. Beck Records. C'est le président fondateur de ce nouveau label qui prend de son envol, qui aujourd'hui monte et monte. On a en face de nous l'homme fort qui porte déjà la culture camerounaise à sa plus grande hauteur. Il est aujourd'hui le nouveau producteur de Lady Ponce. Alors, nous voulons tout simplement lui poser la question de savoir pourquoi cet attachement à sa culture, à la culture camerounaise. D'abord, merci de me recevoir. Pourquoi l'attachement à la culture camerounaise? D'abord parce que je le suis. On vient toujours de quelque part. Et il serait aberrant et même de l'ordre d'une bêtise que d'ignorer ses origines. Et voilà. Et donc je le fais à ma manière, à travers la culture, à travers la chanson, à travers le soutien aux manifestations comme celle de ce soir et au soutien de certains artistes. Bien évidemment, Président, on vous voit dans tous les événements sur la place européenne. Vous avez vraiment cet amour pour notre culture. Alors, aujourd'hui, de nos jours, quelle est la vision que vous avez de la musique camerounaise et en plus particulièrement de toute la culture? Non, mais il faut peut-être le remettre dans un contexte plus global. Je pense que la culture camerounaise, comme dans d'autres pays africains, souffre de manque de financement. Donc, il n'y a plus que des mécènes pour pouvoir essayer de la porter. J'ai la faiblesse de penser que je fais partie de ces mécènes et je le fais à ma manière. Sans culture, l'homme n'est rien, il faut le savoir. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça qui explique, qui donne du sens à notre vie, le sens à ce que nous sommes. Et même, si j'ose dire, la capacité de se projeter ne peut partir que d'où l'on vient. Et donc de sa culture. Pour ceux qui ont quelques possibilités de faire grandir, de faire vivre cette culture, je pense qu'il est de bon ton de le faire. Je le fais à ma place, d'autres l'ont fait avant moi, d'autres le feront après moi. Mais à l'instant présent, j'y consacre le peu de moyens que je peux pour l'apporter. Alors, un message à l'endroit de toutes les personnes qui, comme Didier François, Didier Willy Mix, portent la culture, organisent de telles soirées pour valoriser la culture camerounaise. Ah non, mais ma présence témoigne déjà du soutien par rapport à la manifestation de ce soir. Je rappelle, tout à l'heure vous avez dit que je suis partout en Europe. Oui, mais physiquement, depuis un an et demi, je ne suis pas sorti. C'est vrai qu'à chaque manifestation, quand même, j'ai présent. C'est justement la manifestation de ce soutien, de cette présence, à laquelle je tiens. Je suis venu ce soir pour leur dire, puisque tout à l'heure il y a eu la remise de prix, on s'est bien rendu compte que c'est toute l'Europe et au-delà qui est représentée ce soir. Donc bravo au DJ François, bravo au DJ Willy. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'arriver à faire, de faire un tel rassemblement. Je suis venu là par rapport à ça et je leur dis encore merci. Merci de pouvoir nous faire passer ce moment de communion et de fête. Porter la culture camerounaise africaine à son summum et aussi la préoccupation de la diaspora camerounaise des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ils sont présents ici ce soir. Alors, Président, quel mot à leur endroit et quelles promesses vous pouvez leur faire en ce jour? J'ai cru comprendre que l'année prochaine, il y aura une fête similaire à Washington. D'emblée, je leur dis que je serai présent. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, de manière plus générale, toutes les initiatives de ce type qui tendent à rassembler les Africains au-delà du Cameroun pour manifester, faire émerger, faire vivre ce que nous sommes, ce sont des initiatives à soutenir. Donc, rendez-vous l'année prochaine à Washington, sans oublier bien entendu le rendez-vous de Bruxelles et ce qui va certainement devenir un rendez-vous de Toulouse, parce qu'on est en préparation de la deuxième édition de la fête de KMG dans la ville rose.
Bien évidemment, avant que vous ne m'emboîtez le pas, j'aimerais bien vous poser la question. Nous nous souvenons que le 5 novembre 2016, vous avez fait vibrer la ville rose, la ville toulousaine, avec le concert de Serge Benon et Lady Ponce. On se pose bien la question, à quand le nouveau rendez-vous avec la communauté africaine, avec les Camerounais de Toulouse? Oh non, mais c'était pas qu'une fête de Camerounais. Je crois que c'est une fête africaine, en réalité. Cette année, on n'a pas fait de programmation pour la simple raison que nous avons eu au mois de mai le grand festival de Bangui avec près d'une trentaine d'artistes. Donc, c'était déjà en soi un grand événement. Et il nous a paru plutôt logique de reprogrammer une fête toulousaine plutôt l'année prochaine. Alors, la date n'est pas totalement arrêtée parce que les négociations avec les artistes sont en cours. Ce que je peux dire, c'est deux grands noms. On ne peut pas en parler tant qu'on n'a pas signé, vous savez très bien. Donc c'est deux grands noms, un rappeur français d'origine africaine et une très 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 grande diva camerounaise. Donc la piste elle est là. Et la manifestation devrait s'articuler à deux niveaux. Un grand concert au Zénith de Toulouse, capacité 9000 places, et un after pour prolonger dans la soirée telle que les Africains l'aiment. Donc voilà à peu près ce qui s'esquisse. On pense pouvoir le positionner au mois de l'été prochain à Toulouse. Rien n'est arrêté, mais voilà à peu près les éléments qui commencent à émerger des négociations qui sont en cours. Merci président, c'est un plaisir pour nous. Non mais vous savez, le monde artistique, je l'ai embrassé parce qu'il faut. Il y a une question peut-être que j'ai oublié de. Une petite présentation que j'ai oublié de faire en avant. Moi, je suis architecte de formation et banquier de formation. Et je suis promoteur immobilier. Donc ça c'est le cœur de mon métier. Donc, j'ai embrassé là par amour, par attachement, par questionnement sur moi-même. Donc, les artistes sont là pour promouvoir, faire porter l'expression culturelle des différents pays ou groupes communautaires. Lady Ponce et Longué sont deux grands noms de la culture camerounaise. Moi, personnellement, je ne peux que déplorer qu'il y ait eu un tel étalage. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Ces deux personnes qui apportent, qui sont des référents pour tous les jeunes Camerounais, beaucoup de générations de Camerounais, on ne peut que déplorer. Je le dis en toute franchise. Quand, à un moment donné, quel que soit le problème qui ait pu, ou les frustrations que les uns et les autres ont pu avoir, ça a pu s'étaler dans ce sens. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, mais je remarque aussi très vite qu'un homme adulte, j'espère que ce sera définitif, l'accalmie est revenue, la sérénité est revenue. Parce qu'en définitive, c'est tout ça, on en a besoin. Et puis, à l'artiste qui est la mienne, elle sait qu'elle a tout mon soutien, Lady Ponce. Je sais qu'elle a été victime de beaucoup d'injures, de propos mensongers, de calomnies, et qu'à un moment donné, elle a cru bon de répondre. Bon voilà, il ne faut pas en dire plus, ni en rajouter. Le ramener où c'est deux personnes adultes, la calmie est revenue, et moi j'en suis content. Position. Non, je vous dis que c'est deux artistes. C'est deux artistes qui participent à la culture camerounaise. Chacun dans son registre. Il faut retenir plutôt ce qu'ils font dans le monde culturel que les petites phrases. La petite phrase ne nous fera jamais avancer. D'ailleurs, je vais poser la question inversement, puisque vous me la posez. Sans la production de Lady Ponce, vous la connaîtriez? Sans la production de Longué, vous la connaissiez? Alors, pourquoi ne pas s'attacher à ce qu'ils font? S'intéresser à ce qu'ils font pour notre culture, comme petite phrase. La petite phrase ne nous amènera à rien. En revanche, leur production, on y sera toujours attaché, on sera toujours enclin de le garder. Vous n'avez qu'à écouter le dernier album de Lady Ponce. J'ai cru comprendre, connectez-vous, je n'ai pas tout écouté, ça fait le buzz sur la toile. C'est ça qui intéresse les gens en définitive, ce n'est pas les petites phrases.
Il faut laisser le temps faire son effet aussi, par rapport à la tension qu'il y a eu. Et d'un, et de deux, indépendamment de cette tension, un projet artistique ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait un message à passer au niveau d'une scène, que les artistes sentent la capacité de se mettre en Dieu pour le faire. Donc, laissons le temps d'abord faire son effet sur les derniers événements. Pourquoi pas? Peut-être que d'ici quelques temps, quelques mois, les deux artistes viendront peut-être sous la houlette de KMG ou pas. Dire, écoutez, on va sceller devant vous notre amitié, notre réconciliation. Et ce sera pour le bien de tout le monde. Oh non, mais pour moi, il n'y a pas de solution. Parce que le problème, pour moi, il est plié. Il est passé déjà. Il y a eu une séance d'explication, heureuse ou malheureuse, ça dépend de quel camp on se met. Et là, c'est derrière nous. Il faut laisser le temps faire son chemin par rapport à la sérénité qui doit s'installer par rapport à une situation regrettable. Non, je ne peux pas faire de message par rapport à l'anglais. Je ne suis pas donneur de leçons. Ce n'est pas ma place. Non, je le fais à tous les artistes. J'ai parlé de Lady Ponce parce que je la produis. C'est un message pour tous les artistes. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Mettez votre énergie sur ce que le peuple, vos fans attendent de vous. Laissons de côté ce qui divise. Parce que, in fine, ça n'apporte rien. Voilà, c'est un message pour tous les artistes. Ce n'est que pas, y compris Lady Ponce, y compris Longuet. Mettez votre énergie sur ce qui intéresse vos fans. À quelques artistes, elle est ouverte à tout le monde. C'est le produit qui compte. C'est dans ce sens que je vous dis qu'il vaut mieux s'occuper de ce qu'ils ont à faire et donc de s'occuper de leur métier que de s'occuper des petites phrases. La maison KMG est ouverte à tout le monde, à tous les artistes. C'est la capacité du produit qui sera le seul élément déterminant. Voilà.